On est pas mal sur l'éclairage. On voit le vélo. Bon, bah on peut commencer, hein. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, ma vidéo commence dans mon garage. Pourquoi dans mon garage ? Parce que je dois faire un peu de mécanique. Bon, vous me connaissez, pas trop de mécanique, mais juste un changement de pneu, parce que je vais participer à ma première course sur neige. Donc, il y a le championnat de France de snowbike qui se déroule au G. Je vous montre l'affiche, juste là. Pour faire cette course, j'ai prévu de changer mes pneus, mettre des pneus un petit peu plus adaptés pour la glace. Quoique même, on m'a dit que c'était pas encore assez adapté par la glace, parce qu'apparemment, il faut mettre des gros clous. Je vous montre des photos qu'on m'a envoyées. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis là pour découvrir un peu les courses. Et Schwal m'a envoyé, voilà, les Ice Spiker Pro avec des petits bouts en fer qui vont permettre d'agripper un petit peu plus que des pneus normaux qui sont là, comme les Big Betty. Et pour faire cette course, je vais utiliser le Kona Process X. Je pense que c'est pas trop mal adapté. Mon DH, j'ai pas de vitesse pour relancer, etc. pour la course. Donc je me suis dit, je vais changer les pneus. Alors j'ai déjà commencé sans vous. J'ai mis sur le pneu avant juste déjà pour voir, parce que c'est des 2,60, juste pour voir si ça passait sur mon avant. Donc comme vous voyez, ça passe plutôt bien. J'ai pas encore gonflé le pneu, mais c'est parfait. On perd pas de temps, je vais déjà changer mon pneu arrière aussi. On se retrouve après ça. Là, je suis en train de mettre le nouveau pneu et en fait, il n'y a pas de sens sur ces pneus-là, je pense pas. Pas de sens, ok. Bon, voilà, les deux pneus sont montés. Nickel, donc je suis content, ça touche pas sur les rebords, j'avais peur en 2,60 que ça touche sur les rebords, mais nickel. Bon voilà, on est inscrit, on a nos dossards, je suis avec Nico qui est là, regardez, Yo. Les beaux petits dossards là. Donc pareil, là on est un peu saucissonné, hein. Du coup on est équipé là, il est beaucoup trop tôt pour moi, je crois, j'ai dû me lever à 5h, moi c'est plus possible à part la MOH, je me lève jamais aussi tôt. Autant vous dire qu'il n'y a pas énormément de neige, regardez, alors je sais pas si on voit, mais il y a des petits tas de neige... artificielle, c'est ça qu'on dit? Ouais. De neige artificielle, donc la piste risque d'être vraiment courte, on nous l'a averti. Bon c'est comme ça, au moins c'est 100% découverte, ça va être vraiment trop cool. Bon on a mis des petits, je suis comme Nico, on a mis les Schwabble Ice Peak. On va voir si ça tient, apparemment on a vraiment des petits clous par rapport aux autres. Je vais vous montrer dans la queue, mais il y en a, ils ont vraiment, c'est genre un bras le bordel. C'est genre une épine, une vis de 10 mm dans le pneu. Au moins ils sont sûrs de tenir, et apparemment c'est verglacé en haut. Donc autant vous dire, si vous voyez pas de chute, c'est un miracle. Ça va, toi? Ça va, t'es prêt? Ouais. Alors lui, aujourd'hui, il le fait sans clou, mais vraiment sans rien. Il est en freestyle à fond. Au culot. À tout moment, il gagne la course parce que c'est de la terre. À tout moment, tu gagnes parce que c'est de la terre. Et en fait, vous pouvez aussi avoir quand c'est vraiment verglacé. Regardez. Là, on est sur du bon millimètre, là. Regarde, il y en a aussi là. Ah, là, c'est pareil. Là. Au moins tu te tiens dans les virages, c'est sûr. On a embarqué, on a le vélo là, on a la piste qui est là, ça s'entraîne déjà en plus. Hâte de voir ce que ça donne, si ça tient un peu au niveau des crampons. C'est une piste assez droite, donc on va pouvoir lâcher les watts. Là, on va déjà repérer à quoi ça ressemble la piste. On a un petit lever de soleil plutôt sympathique là, ça fait plaisir. Pour vous dire à peu près où on est sur les remontées où il y a la Coupe du Monde DG. C'est là où il commence après, derrière, juste là. On monte sur ce télésiège là et après c'est une piste, je ne saurais pas vous dire, c'est une piste bleue apparemment qu'on fait. Donc on se retrouve en haut, on va faire les premiers tests, voir ce que ça donne. Allez. Oui, est-ce que tu m'entends là? Attends, non. Ah, Kevin Meyer. Kevin Meyer, hein. Salut Kevin. Attends. Okay,
Bah ça va. C'est court mais ça se fait. Bon bah, ne pas tomber hein. En vrai c'est con qu'on peut pas suivre, moi je t'aurais bien suivi hein. On peut pas suivre. Oui Eric. Non. Dommage. 19. Et je démarre à combien? Entre 5 et 5. 0,5. C'est marrant, mais c'est dangereux. Ouais. Oh, la dernière partie, je rêve, hein. Vous avez vu, genre dans le virage, dans la rouge, il y a un moment, il y a une grosse lag, genre ça te ralentit ouais. Comme ça. Ouais. Bon. Ben, là, on a fait deux descentes déjà, donc ça commence à bien rouler, on prend bien de la vitesse. Mais là, gros soleil, donc neige beaucoup plus molle, on va se mettre en arrière pour pas partir en avant, etc. On va improviser, hein. C'est vraiment découverte cette année. On va partir pour les manches de placement pour demain matin. Les manches qualificatives, voir comment on se place. Bon, ça va être un peu en mode touriste, hein. Je découvre vraiment la discipline et en plus les crampons sont un poil petit pour vraiment bien s'appuyer. Mais c'est cool, on s'éclate, c'est un gros soleil avec les copains, donc c'est parti. 18 au départ. C'est bien poussé au milieu, hein. Entre 5 et 0. 10 secondes, quand tu veux. Allez, petite chute. Avec le dossard 19 normalement. Ah, la petite chute au premier virage. Bon bah comme vous l'avez vu, petite chute sur le troisième ou quatrième virage, je sais plus trop. J'ai voulu attaquer un petit peu pour voir les limites et bah je les ai vite trouvé les limites au niveau des crampons. J'ai vraiment, le vélo est parti tout seul, impossible de le rattraper. Là on a 1 à 2 heures de training pour demain. Ça va être chill, de toute façon on découvre hein, comme je disais. On va essayer de faire quelques petites mastarts, ça peut être cool avec les poteaux. Regardez, hop, ça descend tranquillou là. Là, c'est le premier de l'année dernière. Wow, oh bien l'extérieur, beau. Wow, ça tombe. Wow, il arrive à une vitesse sur le virage. Pou pou pou, ça va être beau ça. Regardez pourquoi j'adhère pas. Bon après ça tient bien, hein. Mais lui il est parti chez Castorama. Il s'est wow. 4 par 20. Bon, ouais. Bravo Marc. Ouais, partez. Vas-y, passe! Wouhou! 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 Woohoo! Woohoo! Woah!
Wouah, ça a transformé de ouf. Faux bike. Oh, oh mais gros, ça bouge de ouf là. Rendez-vous demain. Là c'est le bordel hein. C'est trop cool. Là tu te fais chablater un peu. Bon bah on part en petite main start. Bon bah go. Allez go. Oh. Eh c'est mou. Oh. 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 Oh yeah. C'est ça qu'on veut les gars. D2, il est 6h30 du matin, on doit être à 7h30 là-haut. C'est dur les courses comme ça tôt le matin. Bah comme vous avez vu, je suis tombé hier, donc je vais partir dans les derniers, la neige va pas être ouf. Du coup, aujourd'hui, comment ça va se passer? Bah c'est simple, on n'a pas de manche d'échauffement, on a 3 manches chrono, les 2 meilleures sont accumulées, ça fait le classement général, voilà. Donc va falloir assurer au moins 2 manches, et peut-être la 3ème, lâcher tous les freins et partir en glissade. Là, mon but du jeu, c'est de rester vraiment sur les roues. Et ne pas glisser, ça serait bien pour faire quelques chronos. Prochaine fois, je prendrai justement des crampons un petit peu plus gros pour pouvoir mettre de l'angle dans les virages. Et on va tâter la première manche, voir comment ça se passe. Bah, c'est bon, on est en haut. Il fait super froid. Hop, bah comme hier, hein, ça n'a pas changé. Il y a que quelques petits drapeaux qui ont changé de place. Et bah, sans échauffement, on va enchaîner les 3 manches là. Pas de caméra pendant la course. Mais on nous a dit en dessous des visières c'était bon. Oui, mais pendant les chronos. Sérieux? Ah mais c'est marqué dans la règle, interdit pendant les chronos, c'est autorisé que pour les recos. Bon bah comme vous avez vu, on n'a pas le droit de filmer nos runs. La FFC nous interdit pendant les manches de finale de filmer nos runs. C'est dommage, moi pour mon premier run, là je viens de regarder, je suis en 48 et des brouettes. Donc trop content, sachant que bah, j'ai pas énormément de crampons, c'est pas très gros et j'étais un peu sketchy dans tous les virages, mais je suis pas tombé. Du coup bah, j'améliore mon temps de 12-13 secondes. C'est pas trop mal, je suis content, c'est cool, bonne sensation, le soleil arrive enfin, parce que je suis gelé. On va partir pour la 2ème manche, donc on va essayer de faire aussi un bon chrono, comme ça on va pouvoir lâcher les freins sur la dernière, ça va être cool. Ouais, je vais vous montrer un peu le démarrage, donc on est là. Alors, le petit risque que vous avez quand vous roulez avec des crampons de 8 mm, c'est ça, non? Jusqu'à 10, ouais. Ouais, jusqu'à 10. Regardez, je vais vous montrer. Attends. Tu peux montrer ton pantalon pour montrer les risques de... Il y a du métier. Donc là, en fait, c'est les crampons. Il y a des tapis Kaiboki, là, dans... Regardez. Elle est belle, ta tenue. Elle est cool, hein? Ouais. Ça fait pas mal, aussi. C'est pour l'aérodynamisme. On a des crampons comme ça. Et alors si vous mettez trop en arrière, vous arrachez votre pantalon. C'est les risques un peu de la descente sur glace. Allez. Ouh, hop. Ah, il prend bien pas... Ouais, c'est pas con ça. Bon, bah là on a fini ici. Ouais, ça part. Wow. Oh, il prend bien l'exter. Hein. Ah, j'ai vu, merci. Ouah, il pédale jusqu'à 2ème port. Boum, ça repart. Allez. Moi je pédale pas jusqu'au bout. Alors on reconnaît les railleux quand même. Allez Théo. Allez. C'est qui Théo Mathieu? J'ai pas des coups alors. Puis après là je vais faire vraiment une. Allez si c'est. Du coup, les 3 runs sont passés, je ne suis pas tombé, donc il n'y avait pas grand chose à filmer. Non, je rigole. Bah, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Je crois que mon meilleur temps, c'est sur le dernier. Donc, j'ai bien fait de lâcher. Oh, regardez. Regardez. Ouh, la petite chute.
Voilà, là en fait on est sur une portion où c'est vraiment ghetto. Bah ça fait un peu de la soupe là, il fait vraiment chaud. Et bah il y a une belle chute. Voilà, bah comme je disais, bah j'ai plutôt pas mal roulé, 48 secondes, sachant que je n'avais pas des crampons faits réellement pour cette discipline. Mais plutôt content, ça s'est bien passé, mon dernier temps c'est le meilleur, donc tant mieux. Et bah là avec les copains, on va se faire une dernière petite descente tous ensemble. Pour finir ce petit week-end sous la neige. Vous êtes chaud, ouais. On s'attend tous au virage, non? On s'attend tous après la deuxième porte, la première porte. Ouais, on s'attend tous au virage. Moi je tombe au premier virage. Ouais, on tombe tous les. Moi je tombe au premier virage. Ouais. Là-bas? Est-ce qu'on prend les plous ou pas? Ouais, peut-être ça va nous empêcher d'aller à 200. Ouais, c'est vrai. Allez. Oh, il fait la terre, il fait la terre. Oh 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 oh. Derrière un peu, tu prends des. Ouais. En vrai, tu pars, il peut plus rien dire. Hein. Allez go. Il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Ils ont gueulé. Ah. Ouah, ça glisse de fou. Oh, c'est tombé. Ouah, c'est la guerre, gros. Bien, là. Ils ont pas gueulé dessus au départ. Si, ils ont gueulé à mort, gros. Mais vous agrippez tellement mieux que nous, ouais, gros. Je prends la même trace. Mon vélo il fait ça, lui il y a boum, le vélo il repart. Je fais what? Bon bah voilà, on a fini par une petite master tous ensemble. C'était vraiment trop cool. Là on va aller faire le podium là, voir ce que ça donne. Bah on s'est plutôt bien régalé ce week-end, c'était cool. La neige commence à être un peu ghetto vers 11h, mais là on s'est bien marré. Bah n'hésitez pas en tout cas, si ça vous a plu ce genre de petite vidéo, de lâcher un commentaire et de nous dire aussi ce que vous pensez de la discipline. Moi c'est vraiment une première, une découverte et franchement, s'il y en a d'autres, ça va être avec plaisir. Voilà, allez, je vous dis bon week-end, ciao. Ouais.